Jeudi, c'est dimanche 13 février. C'est un plaisir, les amis, pour que nous capables ensemble pour nous étudier la leçon de l'école du sabbat. Et pas oublier, ce maintenant, nous avons la leçon 8, Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Mais bien avant même que nous entrions dans la portion d'étude que nous devons jeudi, on nous prie, bon Dieu. Papa, nous qui sommes dans le ciel, là, merci pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Nous. Merci pour la protection qui est nous. Merci pour l'intelligence qui est nous. Aidez-nous encore aujourd'hui pour nous comprendre la parole sérieuse. Et arriver à mettre en application. Tandis que nos pères, dirigez-nous, sauvez-nous. Nous ne mérite pas de prier concernant nous, Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'effort que vous consentissez chaque jour pour capable étudier la leçon de l'école du sabbat. Et nous avons toujours un plaisir à encourager à chaque fois que vous finissez d'étudier pour partager les leçons avec l'autre et qu'on s'en plus de monde. Capable d'arriver à étudier le son de l'école du sabbat. Si vous n'avez pas de quoi abonner, moi encourage à faire ça et encourage l'autre monde tout. Faites même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, nous avons la leçon 8. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Verset à mémoriser. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. C'est texte ça pour la semaine nous gagner pour nous capables de mémoriser. Hébreux chapitre 8, verset 6. Je dis à nous parler par la leçon qui titrait La nécessité d'une nouvelle alliance. La nécessité d'une nouvelle alliance. Donc, on était gagné une ancienne alliance. Mais je dis à nous parler de nécessité de nouvelle alliance. Nous parlons pour qui ça? Eh bien, tu es obligé de gagner une nouvelle alliance. Mais pour nous faire ça, nous allons lire bien rapide. Dans Hébreux chapitre 7, verset 11, pour nous arriver dans verset 19. Nous parlons pour qui ça, nouvelle alliance? L'était est nécessaire. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qui était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre de Aaron, selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Eh bien, selon livre Hébreux, le fait que Jésus lui-même l'était nommé prêtre selon l'ordre de Melchisédek, eh bien, ça t'est impliqué une nouvelle alliance. C'est-à-dire, une nouvelle alliance qui t'est inaugurée. Prêtre dans Lévitique, il t'est servi de médiateur entre bon Dieu avec Israël. Et la loi t'est exclue toute l'autre prêtrise. C'est-à-dire, il n'y a pas de capable prêtre pour te sortir dans l'autre tribu, qui est la tribu de Lévi. C'est la tribu ça, eh bien, il t'est deux sortis. Mais auteur a conclu qu'il y a un changement qui pral et bien porter et bien dans prêtrise et bien ça pral faire tout pral gagner un changement de loi concernant prêtrise là et bien comme ça pral gagner tout une nouvelle alliance, c'est-à-dire moun qui t'a prêt yo était de sortir dans lié Lévi. OK, c'est là où était de sortir, mais puisque vinn gagner l'autre prêtre qui c'est Jésus qui part sorti dans lié ça qui sorti plutôt dans lié Juda, et bien ça veut dire vinn gagner tout yon nouvelle, et bien nous ta capable dire vinn gagner l'autre prêtrise, c'est-à-dire vinn gagner un changement de loi et bien qui opéré. Et bien problème qui gagne avec ancienne alliance là,
c'est que li pas assurer ça nous relé la perfection. Paul parlait de la prêtrise lévitique et de service qui te confecture en parlant des sacrifices fait etc. Paul parlait de ça. Mais sacrifice animaux yo te offri vraiment tu te confère dans le passé yo. Li pas capable assurer ça nous relé un véritable et une totale purification du péché ni bayon accès pour que nous capable aller dans le ciel. Eh bien, le fait que vienne une nouvelle alliance qui était nécessaire, ça pas veut dire que bon Dieu était injuste avec Israël quand il était yon ancienne alliance. Bon Dieu pas injuste pour raison ça. Mais ministère lévitique là et service qui était fait en dans sanctuaire, eh bien, il était là pour te protéger peuple là contre idolâtrie parce que dans époque yo, eh bien, l'homme te con eh bien adorer les idoles. Eh bien, pour bon Dieu te protéger peuple là, bon Dieu te venir avec tout yon système. Et non seulement pour te protéger contre l'idolâtrie, mais tout pour te indiquer le futur ministère Jésus t'apprendra à gagner en faveur nous. Le ministère Jésus t'apprendra à manifester en faveur nous pour que nous capables de gagner la vie éternelle. Et bien, les nous lisons dans le livre Hébreux, ils sont liés que le sacrifice que le peuple a fait dans le passé, c'était un ombre des biens à venir. C'est-à-dire, c'était un ombre, c'est-à-dire, réalité, c'est dans Jésus qu'il est. Et bien, lorsque nous le texte a indiqué nous Jésus et sacrifice lui, sacrifice Jésus, il te doit aider peuple là à mettre espérance et foi dans agneau ça qui capable effacer péché. Et bien nous lis ça dans Jean 1 verset 29 et puis Ésaïe chapitre 53. Et bien c'est même là que Paul lui-même lui fait lorsqu'il dit la loi c'était un précepteur pour conduire nous à Christ pour que nous capable justifier par la foi. OK? OK, ou bien nous capable dire la loi li atteint but. OK? Si Christ lui-même eh bien c'est Christ lui-même qui a banni justice, c'est ça monde qui croit dans lui, c'est-à-dire eh bien la loi c'est la justification eh bien de tous ceux qui croient, c'est-à-dire et la foi c'est la justification. La foi eh bien ça la loi pas qu'à faire, c'est lui la foi fait. Qui ça la loi fait? La loi montrer les nous péchés. La loi a montré ça me fait qui pas bon, mais c'est pas loi en réalité qui a retiré péché à pour moi. La loi seulement montré mais qui ça me fait qui pas bon. Et bien pour me retirer ça qui pas bon, moi obligé à prier bon Dieu dans nom Jésus et bien pour qu'il est capable effacer péché à. Et bien en d'autres termes, même 10 commandements, je ne reconnais 10 commandements li bon, li parfait, il pas capable ba nous le salut. OK? Li assurer un homme parfait de justice, mais li pa assurer la justice. M pa ka seulement garder nos miroirs et puis pour miroir effacer et bien toute crasse que m gen dans visage moi, toute crasse que m gen dans comme l'aime garder dans miroir, moi regarder comment et bien comment commier et puis changement qui de porter a mal porter. C'est-à-dire nous la loi pa ka justifier personne moun, mais la loi c'est un homme parfait de justice. C'est-à-dire l'aime suivre la loi et bien moi fais ça qui droit dans Dieu bon Dieu, mais moi pas fais ça qui droit dans Dieu bon Dieu pour me capable gagner la vie éternelle. Et bien qui est capable vraiment obéir ensemble avec la loi, c'est lorsque on d'accord pour marcher ensemble avec bon Dieu. Sous pas dans royaume bon Dieu là, la très difficile pour capable obéir ensemble avec bon Dieu. Ou pas regarder la loi pour que obéir ou capable gagner la vie éternelle. Et bien pour une justice parfaite, nous besoin Jésus. Et bien pour prendre place, c'est-à-dire pour mourir dans place nous pour pécher nous pour que moi-même pour que ou même nous capable gagner la vie éternelle. Et bien on fait une réflexion ensemble. Pour qui ça la loi pas capable sauver? Et bien nous sommes dit là la loi gain capacité pour le montrer ça nous fait qui pas bon. Mais salut nous, il pas trouver l'autre côté qui en Jésus, c'est seulement Jésus qui capable ba nous salut, mais la loi seulement montrer nous ça nous fait qui va bon. La loi montre comment pour nous vivre, pour nous plaire ensemble avec Dieu, mais la loi pas capable ba nous le salut. Après tout, si nous gardons tout commandement yo et que nous gardons au bien et même à la perfection, pour qui ça eh bien et ça pas capable sauver nous. Eh bien nous se dit c'est parce que la loi pas capable conduire nous à la perfection. C'est Jésus capable conduire à la perfection. Eh bien la loi seulement là pour montrer nous lorsque moi ensemble avec vous nous fait ça qui pas bon et puis nous tourner vinn jeune bon Dieu nous prier lui et à travers sacrifice Jésus et bien bon Dieu lui-même il fait nos grâces. Et bien nous ouais nouvelle alliance là n'était pas comme étant une nécessité. Pour quelle raison? C'est parce que
Et bien, ancienne alliance en li pa ka mené nous à la perfection. Et bien, vinn obligé gagner une nouvelle alliance et c'est à travers une nouvelle alliance qui fait à travers le sang de Jésus, et bien moi ensemble avec vous, nous capable gagner la vie éternelle. Et bien, c'était le son ça qui nous avons ensemble aujourd'hui, qui c'est dimanche 13 février, la nécessité d'une nouvelle alliance. Et avant même que nous allions, nous prions bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Et nous chaque jour pour nous mettre en application, pour nous accepter le sacrifice Jésus. Et comme ça, pour nous capables de gagner la vie sauve. Fais grâce qu'il en soit sur le nom de Jésus. Amen. Deuxième, M. Dobas, c'est une très bonne journée. Bonne étude. Et que Dieu vous bénisse.